Si vous avez besoin d'informations, je vous dirai tout ce que je sais. D'anciens soldats impériaux sont là aussi pour nous aider. Il y a même une femme incroyable qui dirigeait une bande de mercenaires avant. Aranea ? Oui ? Alors vous la connaissez ? Ce sont tous des soldats exceptionnels d'après ce que Cor m'a raconté. Il y a la troupe d'Aranea, celle de Biggs et celle de Wedge. Ils sont nombreux et on peut toujours compter sur eux. Eh ben... Si vous avez besoin d'informations, je vous dirai tout ce que je sais. Au fait, en parlant de l'Empire... Ouais ? Ce sont Gladio et les autres qui nous ont appris comment l'Empereur et le Grand Commandant sont morts. Sans ces leaders, l'Empire de Niflheim s'est complètement effondré. Si vous avez besoin d'informations, je vous dirai tout. Par contre, il paraît que le Chancelier a été aperçu à Insomnia. Ignis a été très troublé par cette nouvelle. Il s'est interrogé sur les liens entre le Chancelier et le Lucis. Du coup, il m'a demandé de l'aider à faire des recherches. Et figurez-vous qu'on a même fait le tour des tombeaux royaux ensemble. Tu t'es laissé embarquer ? Ça m'a fait plaisir, j'aime beaucoup l'histoire. Finalement, on a trouvé quelque chose de bizarre. Hmm ? Un homme du même nom était mentionné dans un document très ancien. Ardi Nizunia, pareil. Il y a très longtemps de ça, il aurait sauvé plein de gens qui avaient été victimes d'attaques de démons. Mais il fut emprisonné, soupçonné d'être lui-même un démon. D'après nos recherches, c'était pourtant bel et bien un être humain. Mm-hmm. Si vous avez besoin d'informations, je prie pour votre victoire, votre majesté. Cette fois, ça y est. Le moment est venu de rentrer chez nous. On va enfin pouvoir mettre nos uniformes. Soyons-en dignes. Ouais. Mais vous devrez peut-être rentrer le ventre.
Franchement, ça fait drôle de revenir ici. Tu l'as dit. On a tellement attendu cet instant. Ouais, c'est vrai. Et je compte sur vous pour m'accompagner. Ouais. Évidemment. Pas besoin de demander. Maintenant, il est temps d'en finir. Là, je compte sur vous. Pas de problème. En avant. À mon tour. Rends-toi. Joli travail, c'est normal. C'est bon de se retrouver tous les quatre, comme il y a 10 ans. Ça rappelle plein de souvenirs. Et maintenant, on doit être à... D'après ce que j'ai compris, il devrait y avoir des lames royales dans le coin. Hein? Comment ça? Apparemment, ils ont installé une base d'éclaireurs pour éliminer les démons. Ça doit être plus loin. Allons voir ça. Soyez prêts. Bien, c'est bien le temps. À mon tour. Il s'est transformé en statue. Gladio, j'ai eu peur que tu restes comme ça. Quel cauchemar. Bien vu, Gladio. C'est bon. Une sacrée équipe après toutes ces années. Tu dis ça comme si on était vieux. On va faire que se bonifier en prenant de la bouteille. C'est pas faux. Très bien. Au revoir. Ignace, j'ai trouvé un point. Bien joué! Trop sympa! Tâchons de garder notre sang-froid. Dégage!
radio. Ok. Pronto. Ok. J'aime ça. J'en avais vraiment besoin. Désolé pour la queue. C'est bon, t'inquiète. Ok. Ça a l'air récent. Il y a peut-être encore des survivants près d'ici. Dépêchons. Allons-y. À vos ordres, votre majesté. Reste en concentration. Essayons de nous concentrer un peu. Pas de panique, je suis là. Il y en a vraiment beaucoup là. En effet, ça fait des heures que je les combats. Il reste quand même des éclairs. Bien comme ça. Arrête de te prendre un peu. Tu vois, je te trouve moi hystérique avant. C'est tout ce que tu veux. J'avais pas pensé. C'est fini. Désolé. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de temps. Tu as pris l'assurance. C'est gentil de remarquer. Je vois que t'as toujours la force. Ça va aller? Ouais, j'ai vu pire. Noctis, tu es revenu. Ça m'a pris 10 ans. Ne restons pas ici. Venez avec moi. Dis-moi, Kor, qu'est-ce que tu fais là? Les lames et moi, ça fait très longtemps qu'on se bat ici. On attendait ton retour. Que tu viennes reprendre ton trône. On a une base. Elle se trouve juste là. Maintenant, c'est le seul et unique refuge qu'il nous reste. Par ici.
Écoutez-moi tous. Le roi est de retour parmi nous. Majesté. Oh, je savais que vous reviendriez. Majesté. Majesté. Vos lames sont là. Elles ont attendu votre retour, sans jamais désespérer. Chers frères et sœurs, fiers guerriers du Lucis, vous avez fait preuve de persévérance. Je vous remercie. De foi et d'abnégation. Les ténèbres ont peut-être recouvert le monde, mais elles ne parviendront jamais à submerger nos cœurs. Nous avons tous perdu nombre d'êtres chers, mais nous n'avons jamais perdu l'espoir. Nous sommes tous unis pour sauver notre avenir. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ramènerons la lumière de l'aube tous ensemble. Gloire au roi de la lumière! Gloire au roi de la lumière! Le Lucis a enfin retrouvé son roi. On a foi en lui. Et ça a payé. Je le savais. Il s'en est montré digne. Allô, Altesse? Tu pourrais passer par chez nous? La Terre arrête pas de trembler depuis quelque temps, Alid. Les chasseurs recherchent la cause de leur côté, mais ils sont pas assez nombreux. Compris. On s'en occupe.
Alors, ça va, Talcott ? Ouais, ça va bien. Tiens, c'est quoi ça ? Ah, ça ! C'est une des figurines de Pampa. Je les adore, ils sont trop rigolos. Ah ouais ? Il y en a un de couleur différente pour chaque région du Lucis. Les deux autres, ils sont jaunes et bleus. J'aimerais bien les avoir pour compléter la collection. Mais toi, Prince Noctis, t'as pas vu des magasins où on peut en acheter ? Non, désolé. J'ai vraiment pas fait attention. Ah, d'accord. T'es trop grand pour ça. Et je regarderai maintenant, promis. On voit pas mal de boutiques. Si je les trouve, je te les achète. Merci beaucoup, Prince Noctis. Des pampas jaunes et bleus ? On peut toujours essayer de chercher. Je pensais pas que les gamins de son âge collectionnaient ce genre de trucs. Ça coûte rien de jeter un œil au passage. Du moins, tant qu'on est au Lucis. Ce serait bien. Moi, j'irai même exprès. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais. Ok, on y va.
Nous avons intérêt à refaire le plein rapidement. Noct, on n'a plus trop d'essence, là. Si on allait faire le plein. Non, on continue un peu. C'est comme tu veux. On n'a qu'à pousser un peu plus loin. Ils ont une de ces collections ici? Ouais, c'est le paradis des maniaques dans ton genre. Il y a de nombreux tremblements de terre près de Longwis. Dave est parti étudier le coin avec des chasseurs. Les tremblements de terre, c'est vraiment du jamais vu dans la région.
Beaucoup de gens sont très inquiets. Et réparer des voitures quand ça tremble, c'est franchement pas drôle. Il faut que tu rejoignes Dave le plus vite possible. Très bien. Le résultat devrait te plaire. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais, on y va ? Hé, hey Noct, on va manger au Crow's Nest ? Encore de la malbouffe. Pour grossir, il n'y a pas de meilleure solution. Non. Ouais, c'est pas faux. Vous aussi, vous enquêtez sur les tremblements de terre ? Tant mieux. Votre aide est vraiment très appréciée. J'ai envoyé tous mes chasseurs faire des recherches. J'ai même accepté l'aide d'un type de Galdina, du nom de Dino. Et j'ai bien fait. Parce qu'apparemment, il a trouvé un endroit suspect. Vous pourriez aller le voir pour en savoir plus ? Ah, Prince Noctis, quelle surprise! C'est Dave qui vous envoie? Moi, je fais des recherches sur les tremblements de terre de Lead. Ça m'a pris plus de temps que je pensais, mais j'ai fini par découvrir que Longwis est la clé du problème. J'ai demandé à Monica de m'aider pour les recherches restantes. Vous devriez la rejoindre à Longwis. Elle vous en dira plus. Oh, ces tremblements de terre m'empêchent de dormir. Même faire bouillir de l'eau est dangereux. J'ai toujours peur qu'elle se renverse. Impossible de faire la cuisine. Si ça s'arrange pas, je vais finir par fermer boutique.
Vous cherchez un endroit où dormir? On s'arrête là pour aujourd'hui. Oh, on va être tout confort pour faire dodo. Ouais. Tu sais pourquoi je t'appelle? Tu peux venir la chercher.